On se retrouve pour un petit exercice d'algèbre linéaire avec des espaces vectoriels, notamment avec la somme directe. Donc on a deux espaces donnés, deux sous-espaces de R3, donnés par des ensembles d'équations. On veut d'abord montrer que c'est des espaces vectoriels. Donc a priori, on a deux solutions possibles. Soit on le met sous forme de vecte, soit on utilise la définition. Avec, c'est un espace non vide, stable par combinaison linéaire. Mais comme la question 2, c'est de déterminer une base et la dimension de ces espaces vectoriels, bah, ça semble beaucoup plus agréable et logique et efficace d'utiliser la forme de vecte, parce qu'à la fois on montrera sous espace vectoriel pour la question 1, et on obtiendra la base et la dimension pour la question 2. Ça semble plus efficace de faire comme ça. Donc le premier, bah, un élément xy, z, vecteur de R3, il est dans F, si et seulement si x moins 2y plus 3z vaut 0. Ce qu'on peut réécrire, x égale 2y moins 3z. On remplace dans notre vecteur de départ, et puis ça fait y fois un premier vecteur plus z fois un deuxième. C'est bien qu'on ait toutes les combinaisons linéaires, comme y et z sont quiconques, du vecteur 2, 1, 0 et du vecteur moins 3, 0, 1. Donc f égale vect de ces deux vecteurs-là, donc c'est un sous-espace vectoriel. C'est gagné d'avance. Pour g, on fait la même chose en faisant attention que c'est défini par x égale 2y égale 3z. Une double égalité, c'est souvent un piège. Il faut mieux la transformer en un système de deux égalités. Ça évite beaucoup d'erreurs. Donc là, on peut dire que y, c'est x sur 2, et z, c'est x sur 3. Par exemple, parce que j'ai tout mis en x, on aurait pu tout mettre en z ou tout mettre en y, comme on veut. Donc quand je remplace dans mon vecteur de départ, j'obtiens x, x sur 2, x sur 3, et donc c'est x fois le vecteur 1, 1,5, 1 tiers. Donc g, comme c'est une combinaison linéaire de ce vecteur-là, bah, c'est le vecteur de 1, 1,5, 1 tiers. Comme c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, on peut se permettre de multiplier par un scalaire, et pour éviter les dénominateurs, je peux multiplier tout par 6, c'est vec de 6, 3, 2. Ça revient au même. Tous les multiples de ce vecteur-là, bah, c'est bien la même chose que tous les multiples de celui-ci. Par exemple, celui-ci, c'est 6 fois celui-ci, ou celui-ci, c'est 1 tiers, 1 sixième du deuxième. Donc en particulier, on a un espace vectoriel, on est vec de quelque chose. Donc là, on a montré espace vectoriel, et puis pour la question 2, bah, en fait, on a déjà fait le travail. On a trouvé que f, c'était vect de ces deux vecteurs-là. Mais ces deux vecteurs-là, ils forment clairement une famille libre. Quand on n'a que deux vecteurs, il suffit de vérifier qu'ils sont non collinéaires. On voit bien que le premier n'est pas un multiple du deuxième, rien qu'à cause des zéros. Donc comme c'est une famille libre, bah là elle est déjà génératrice, vu qu'elle est dans un vecteur, une famille libre et génératrice, c'est une base. Donc ces deux vecteurs-là forment une base de F. Comme ça forme une base, on connaît la dimension c'est le nombre d'éléments d'une base, bah, la dimension de F, c'est 2. Pour G, c'est pareil, on avait fait le gros du travail en écrivant que c'était vec de 6, 3, 2. Bah, 6, 3, 2, c'est un vecteur non nul, donc c'est une base de G. Et donc, comme on a une base formée d'un seul élément, G est de dimension 1. Vous voyez, on a bien séparé les deux questions, mais par contre, on avait fait tout le travail dans la question 1. La seule chose qui restait à faire pour passer de l'écriture d'un vecteur à c'est bien une base, c'est de vérifier que ça forme une famille libre. Donc, s'il n'y a qu'un élément, il est non nul. S'il y a deux éléments, ils sont non collinéaires. S'il y a au moins trois éléments, bah là, ça demande une démonstration un petit peu plus poussée pour montrer la liberté, en utilisant la définition avec les coefficients. Il faut montrer qu'ils sont forcément nuls. On voit à ce qu'il faut pour ça. La question 3, qui est la question plus détaillée de cet exercice-là, le but de cet exercice-là, c'est de montrer que f plus g sont en somme directe et ils donnent R3. On dit que g est un supplémentaire de f dans R3, par exemple. Or, pour le montrer, la méthode la plus classique, c'est de démontrer que f inter g est réduit à l'élément nul de l'espace, et que la dimension de f plus la dimension de g, ça fait la dimension de E, l'espace tout entier. Donc il faut bien faire attention, il y a deux informations là-dedans. Quand on écrit R3 égale f plus g, il y a une information qui est que f et g sont en somme directe, et une autre information qui est que f plus g donne R3 tout entier. Par exemple, en général, deux droites sont en somme directe, mais ne forment pas, si elles sont dans l'espace, elles ne forment pas R2 tout entier. En fait, le seul cas où des droites ne sont pas en somme directe, c'est si elles sont confondues. Les droites vectorielles, bien sûr. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, somme directe, ça ne suffit pas. C'est somme directe et égale à tout l'espace, d'où les deux conditions. L'intersection réduite à 0 et la somme des dimensions. Alors la somme des dimensions, ben, on a déjà fait le travail avant. La dimension de F, on avait trouvé 2. La dimension de G, on avait trouvé 1. Et puis la dimension ici de notre espace ambiant, qui est R3, c'est 3. 2 plus 1, ça vaut bien 3, donc c'est gagné. Donc il reste à montrer que l'intersection est réduite au vecteur nul de R3. Bah pour ça,
La méthode classique, c'est de prendre un élément dans l'intersection et puis montrer qu'il vaut forcément 0. Donc, on prend un vecteur x, y, z qui est dans f inter g. Être dans f inter g, c'est être dans f et dans g. Donc, on appartient à f et on appartient à g, c'est un système. Et là, le plus simple, c'est de revenir aux définitions parce que les définitions nous donnaient directement des conditions sur les coordonnées x, y, z. Alors que dans notre écriture précédente avec des vectes, c'est pas évident de dire qu'on est une combinaison linéaire de ce vecteur-là, un multiple de celui-ci, bon, ça va être, on peut s'en sortir, mais c'est moins agréable à faire. Donc la bonne idée, c'est de revenir à la définition donnée au départ. Ça nous fait un système d'équations. Donc on a x moins 2y plus 3z qui vaut 0, et puis x qui vaut 2y et 3z. En particulier, ça, j'ai écrit que deux équations, mais en fait c'est trois équations. C'est x moins 2y plus 3z vaut 0, x égale 2y et x égale 3z. Comme x vaut 2y, ça veut dire que x moins 2y vaut 0. Donc ça vaut 0, il nous reste juste 3z égale 0. Comme 3z vaut 0, ça nous donne z égale 0. Et quand je remplace dans celle-ci, bah, si z vaut 0, y vaut 0 ici et x vaut 0 aussi. Donc la seule solution, seul vecteur qui appartient à f et g, c'est le vecteur nul. Donc on a bien montré que l'intersection était réduite au vecteur nul. Comme on avait déjà montré l'égalité des dimensions précédemment, on peut conclure qu'on a une somme directe. Alors dire qu'on a une somme directe, donc là c'est bon, on a fini l'exercice, mais sinon ça veut dire qu'il existe une unique décomposition comme vecteur de l'un plus un deuxième vecteur de l'autre. Donc c'est-à-dire que si vous prenez un vecteur de R3, il y a une seule façon d'écrire ce vecteur de R3, quelconque, vous prenez votre vecteur préféré, 7, 4, 2 si vous voulez, il n'y a qu'une seule façon de l'écrire comme un vecteur qui appartient à F, dont les coordonnées vérifient ça, plus un vecteur G, un vecteur qui appartient à G, c'est-à-dire dont les coordonnées vérifient ça. En général, c'est pas facile à trouver. Même là, quand on a montré ça, bon, bah, faut refaire du calcul pour réussir à donner la décomposition. Comme en général, donner la décomposition, c'est difficile, c'est pour ça qu'on n'utilise pas cette définition-là. On préfère utiliser la propriété qu'on a en petite dimension avec la dimension finie et l'intersection réduite à zéro. C'est beaucoup plus simple et efficace dans le calcul. Mais il faut savoir que dans certains cas compliqués, on est obligé de revenir à cette définition-là, unique décomposition, et on raisonne souvent par analyse synthèse dans ces cas-là.